voilà, je vais vous laisser avec un garçon, Florian, qui travaille sur Paris, mais qui est confiné chez ses parents avec sa maman et qui nous vient tout droit du sud-ouest, entre, comme il dit, entre Bordeaux et Saint-Émilion, pour situer un peu les beaux cépages de nos vignobles. Et il est effectivement dans le nord sauternais. Vous allez voir qu'il y a le soleil dans cette région. Donc, pour tous ceux comme en Normandie qui n'avons pas le soleil, c'est un plaisir d'être en live avec une région ensoleillée. Parfait, bah écoutez, je suis vraiment ravi de partager ce moment avec vous. Voilà, 2 semaines de confinement qui sont déjà passées. Et bien maintenant, on attaque la troisième, mais on va essayer de l'attaquer du meilleur possible, c'est-à-dire avec de la cuisine. Voilà, comme certains, ça a pu en faire sourire certains, on va mettre des papilles au palais. Donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous partager 3 recettes. Voilà. Pas forcément confectionné par moi-même, c'est pas moi qui les ai forcément créés, mais l'idée c'est d'utiliser une solution alimentaire que voilà moi j'ai découvert il y a maintenant 1 an et qui a complètement changé ma vie. Et aujourd'hui je vais vous concocter donc du coup 3 recettes. Donc ça sera en entrée un crumble de butternut, voilà. Ensuite on va partir sur un gratin de chorizo et courge. Voilà, on va rester sur, même si Halloween était il y a un peu moins d'un mois, on va rester sur la courge, potiron et butternut. Et en dessert, on va rester sur du sucré, sur quelque chose de gourmand, sur une tartelette avec une chantilly framboise, avec banane et kiwi. Et oui, ce sont 2 fruits qui sont de saison, comme certains ne pouvaient pas forcément l'imaginer. Voilà. Et comme l'a dit Karine, donc moi je suis Florian, je viens du sud-ouest, je travaille sur Paris. Et pour le confinement, je suis venu me mettre au vert. Et comme je l'avais promis dans ma vidéo teaser, j'ai apporté le soleil. Je l'ai gardé dans le sud-ouest, voilà, depuis une semaine. Donc voilà, donc, sans plus attendre, on va débuter. On va commencer par le crumble de butternut. Donc pour aller un peu plus vite, j'ai déjà fait quelques cuissons. Voilà, donc c'est pour ça que quand vous referez les recettes, il y aura un petit temps de cuisson pour tout ce qui est courge et butternut en plus. Très bien. On va attaquer du coup sur le crumble. Hop. Alors pour un crumble, il faudra les mettre dans des petits ramequins. Si on regarde un petit peu l'actualité, c'est le Vendée Globe. On pourra mettre dans des petits bateaux. Voilà, c'est cool, c'est fun. C'est tout bleu, comme le ciel. Donc pour un crumble, le crumble d'habitude peut se composer du coup de beurre, de farine. On peut mettre de la poudre d'amande. Et nous, justement, pour enlever la farine qui apporte peu de calories, on va la remplacer par notre solution alimentaire, voilà, qui peut remplacer la farine. C'est une sorte de farine intelligente. Voilà. Et avec ce crumble, j'ai utilisé le crumble velouté saveur poulet. Voilà. Donc pour le crumble, on va mettre 25 g de parmesan et également 25 g de notre solution magique, Énergie Diète. Voilà. Là, à savoir que c'est vraiment pour 3-4 personnes. Voilà. Donc, c'est facile, au moins 25 grammes, c'est une dose, tout simplement. Donc, bien mélanger, on va dire, le parmesan et l'énergie diète saveur poulet. Voilà, pour que ce soit tout simplement. Et ensuite, on va rajouter, donc c'est pas compliqué, c'est toujours le même grammage, 25 grammes d'énergie diète, 25 grammes de parmesan, et 25 g de beurre. Et si vous êtes plus nombreux, vous augmentez toujours de façon équivalente. Donc un beurre pommade que vous mettez dedans. Voilà. Et là, on va venir malaxer. Voilà, c'est le petit massage du beurre du samedi matin. Il y en a qui n'ont pas ma vue, mais là, j'ai une belle vue là, sur les champs, sur les chevaux, juste en face, avec un superbe ciel bleu. Voilà. Hop. Donc, c'est juste malaxer du bout des doigts afin d'obtenir, on va dire, un appareil un peu homogène qui fait un peu granulé. C'est un peu comme s'il y avait des grumeaux. Vous avez le butternut que j'ai déjà fait chauffer à la vapeur. Donc, vous pouvez le faire soit à la vapeur. Moi, j'ai la chance d'avoir un Magimix. Il y en a qui peuvent avoir un Thermomix. Il y en a qui peuvent le faire directement à la poêle, faire revenir. Voilà. Et tout simplement que le butternut soit cuit. Donc, l'idée, c'est un peu faire comme une purée. Après, vous pouvez le faire à votre sauce. Il y en a qui vont, vous pouvez faire des petits cubes. Moi, j'aime bien l'écraser avec le dos de la fourchette. Voilà. Simplement.
ça fasse une façon un peu purée, vous voyez. Hop. Voilà. Et ensuite, on va mettre dans nos petits bateaux du Vendée Globe. Voilà, on va juste venir mettre dedans. Alors l'idée après, donc il y a certains qui peuvent voir, qui ont peur peut-être que ça soit un peu sec. Vous pouvez toujours ajouter vraiment un fil, vraiment un trait de crème liquide par-dessus. Après, mais vraiment très, très finement. Un peu de sel, très finement, voilà. Parce que c'est vrai qu'à la base, c'est vrai que l'idée aussi de l'énergie diète, c'est que ça va apporter une teneur en sel vraiment minime. Il n'y a pas besoin que ça soit très salé. C'est vrai que le corps humain, souvent, ben, l'être humain mange vraiment très salé et notre corps s'habitue. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis dans nos petits ramequins, voilà, de la manière suivante, et ben, tout simplement, on va reprendre notre crumble et on va parsemer par-dessus. Voilà. Juste que ça recouvre le butternut. Voilà, donc ça va donner un petit crumble comme ça. Alors parfois il peut en rester. Alors ça peut arriver qu'il reste du crumble. Alors moi ce que j'ai fait une fois, comme il me restait du crumble, du coup j'ai fait des escalopes de volaille panées. Et vous pouvez très bien le faire paner, vous le mettez dans l'œuf. Comme on fait, vous mettez dans l'œuf et après vous mettez dans le crumble, pareil à la poêle, et ça marche également au top, nickel. Donc voilà pour la première recette. Si je regarde bien, ça ne m'a pas pris plus de 5 minutes. Voilà, tout simplement, à part si vous avez eu la cuisson, si vous mettez de la cuisson, ça peut prendre 15 minutes, 10 à 15 minutes pour la cuisson du butternut, tout simplement. Voilà. Pour la deuxième recette, donc du coup, c'était un gratin de chorizo, chorizo et courge. Donc, encore une fois, ben voilà, vous avez la courge. Donc moi, une fois de plus, j'ai gagné du temps. J'ai mis 20 minutes au Magimix. J'avais mis les deux, une de chaque côté. Comme ça, j'ai fait une pierre deux coups. J'ai cuit d'un côté le butternut et de l'autre côté la courge, tout simplement. Voilà. Donc, pour le chorizo, il est en train de revenir depuis qu'on a commencé la vidéo, voilà, tout simplement à feu doux. Et l'idée, vraiment, c'est de faire suer le chorizo pour faire sortir le plus de graisse possible. Et après, pour encore sortir un peu plus la graisse, moi, ce que je vous conseille, vous pouvez les mettre justement dans du sopalin pour encore absorber au maximum. Parce que c'est vrai que ça dégage énormément de gras. Là, on est pas mal. On est bon. Et ensuite, voilà, pour revenir juste sur les petits bateaux, là, le four est en chauffe. Vous les mettez 15 minutes à 180 degrés et après, c'est bon, tout simplement. Il suffit juste que le gratin soit un peu croustillant sur le dessus, voilà, puisque le butternut est déjà cuit. Et voilà, tout simplement, et après, votre plat, il est fait. Voilà. Alors, pour la courge, ensuite, on va juste changer deux, trois petites choses. Donc là, on va le mettre dans d'autres ramequins. Voilà, individuel, c'est toujours sympa. Ou après, vous pouvez le faire aussi sur un gros plat, hein, si vous ne voulez pas que ce soit individuel. Voilà, hop. Donc moi, je pars sur 3, 4, parce que c'est vrai que en confinement, je suis avec maman et beau-papa. Donc du coup, pas besoin de faire trop de plats. Voilà, ça évite de faire du gaspillage. Et là, pour la courge, tout simplement, on va venir faire des petits cubes. J'aime bien les petits cubes. Voilà, vous faites. Alors, les cubes, on n'est pas prof de maths et géométrie. On n'est pas obligé de faire des cubes qui sont vraiment égaux. Si vous y arrivez, c'est top. Et là, cette fois, on va faire la recette avec encore la même solution de base alimentaire. Voilà, d'équilibre alimentaire. Sauf qu'on ne va pas garder l'énergie des poulets. Là, on va faire avec une base qu'on utilise avec énormément de plats, avec l'énergie diète omelette. Donc, le nom s'appelle omelette, mais c'est vraiment notre base avec laquelle vraiment on cuisine. C'est-à-dire qu'on peut faire des quiches, vous pouvez faire des wraps, vous pouvez faire des gratins comme ça, vous pouvez faire des petits flans de légumes, vous pouvez faire plein de choses avec. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et ensuite, donc, du coup, on va reprendre nos chorizo.
voilà, qui sont bien, bien absorbées maintenant. Alors moi, j'aime quand c'est joli, même si ça ne se voit pas. Je suis un peu maniaque. C'est-à-dire qu'au fond, vous pouvez mettre le chorizo d'une manière un peu... vous mettez tout dedans directement. Ou alors, vous pouvez faire un peu des cercles. Vous les disposez en cercle, ça ne se verra pas trop. Vous les disposez en cercle. Voilà, tout simplement. Hop. Donc après, bien sûr, s'il y en a qui n'aiment pas le chorizo, par exemple, qui ne mangent pas de porc, ça peut arriver, ou qui sont végétariens, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément du chorizo. Vous pouvez mettre avec du blanc de dinde, du blanc de volaille, vous pouvez mettre avec plein de choses. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Voilà. Après, les petits tubes qu'on a fait, on va venir les parsemer. Voilà. Voilà. Ça, on met par-dessus. Ça fait un joli jeu de couleurs un peu. Vous voyez, on est sur le ton de l'oranger. Donc, c'est ça qui est sympa. Hop. Là, c'est bon. Ensuite, vous me direz, il manque quelque chose. Et comme je vous le disais, c'est notre appareil qu'il faut mettre. Et là, on va utiliser notre omelette saveur, l'énergie diète omelette saveur. Saveur omelette, pardon. Et là, pour faire notre mélange, donc, ça se fait rapidement. Donc, du coup, dans un shaker ou dans un verre mesureur, 200 ml de lait. Je vais en rajouter un peu plus parce qu'il y en a, trois. Hop. Si vous en avez trois, ils sont un peu épais. Mais logiquement, vous mettez 200 ml de lait avec une dose. Là, j'ai un peu rajouté. Donc, j'ai rajouté 250 et je vais mettre une dose et une dose entière. Tout simplement. Après, on fait... Bon, j'ai pas d'enfant. Bon, j'ai des neveux et des nièces. C'est un peu comme les biberons. Voilà, on secoue. Voilà. Comme ça, je me revois barman dans ma tendre jeunesse. Ça réveille le matin. Voilà. Et ensuite, vous avez votre appareil qui est prêt, tout simplement. Et là, vous me direz, ben non, il manque des œufs, il manque de la crème, il peut manquer plein de choses. En fait, vous avez tout qui est concentré dedans. Et après, vous avez juste à mettre par-dessus. Et voilà, là, on est nickel. Donc après, encore une fois, vous pouvez rajouter un peu de poivre. Ceux qui aiment, en fonction des goûts de chacun, vous pouvez rajouter des épices, des herbes. Voilà. Et comme c'est un gratin, on va gratiner, tout simplement. Donc, on va prendre du râpé. Voilà, nickel. Donc là, pareil, on a nos gratins. On a nos petits gratins. Voilà. Hop, je vais éviter parce que sinon ça peut couler. Voilà. Et pour ça, pareil. Comme nos petits bateaux du Vendée Globe, vous allez les mettre en chaleur tournante à 180 degrés, mais là, vous allez les mettre 20 à 25 minutes. Tout dépend de la puissance du four de chacun. Mais voilà, en 20 minutes, c'est cuit, c'est nickel. Donc, ça peut gonfler un petit peu, mais rassurez-vous, n'ayez pas peur. Et après, voilà, c'est cuit. Très bien. Bon, on va passer sur la dernière partie, la partie sucrée qui agite les papilles de beaucoup de gens, le sucre. Et là, comme je vous le disais, on va partir sur une tartelette, donc kiwi banane avec une crème de framboise, crème chantilly framboise. Donc la crème chantilly, je l'ai montée pareil, j'ai triché 10 minutes avant la vidéo à 11h. Donc si vous avez un batteur, pareil, moi je l'ai faite au batteur. Il y a quelqu'un qui venait faire la plonge, la vaisselle, avec plaisir. Voilà, hop. Voilà, et comme je vous l'ai dit, on va le faire à base de framboise. Donc là, j'ai monté ma chantilly. Donc j'ai mis 30 centilitres de crème liquide avec très peu de sucre. J'ai juste rajouté deux cuillères à café de sucre roux. Voilà, très, très minime. Parce qu'après, vous allez avoir justement l'énergie guette qui va apporter justement une légère touche de sucre. Voilà. Et après, vous allez avoir bien sûr les fruits kiwi et banane qui vont apporter également le taux de sucre. Et sur cette recette, donc pour cette recette, on va prendre une saveur framboise citronnée.
Donc, peut-être que certains ont déjà découvert la gamme ou sont en train de la découvrir et m'ont dit, bah, je connais pas cette saveur. Donc, ça, c'est une saveur illimitée. Souvent, bah, justement, Energy Get, il y a souvent des offres, des saveurs limitées qui sortent. Voilà, donc n'ayez pas peur. C'est pas une obligation de faire avec framboise. Vous pouvez très bien le faire avec fruits rouges. Voilà, et après, s'il y en a qui peuvent faire avec vanille, c'est pas mal également, ou même avec banane. C'est top également. Donc là, l'idée, je cherche mon shaker, voilà. Et là, on va mettre très peu de lait, on va mettre juste 50 ml de lait. Voilà. Et par contre, on va mettre une dose entière ben, de framboise, de fruits rouges, de banane ou de vanille. L'idée, c'est vraiment aussi voilà, d'apporter la saveur concentrée et d'apporter justement la couleur. Voilà. Hop. Et que si vous mettez trop de liquide, ben votre crème, votre chantilly, va forcément, ben, elle va retomber. Hop. Vous allez voir. Hop. Donc là, c'est plus léger, on peut faire avec la main. Hop là. Voilà, on a une belle couleur rose, du coup. Donc là, vous allez mettre dans un saladier, tout simplement. Voilà. Et ensuite, vous allez incorporer ben, délicatement pour ne pas faire, ben, pour pas violenter, on va dire, la crème et la faire redescendre. On va l'incorporer tout doucement. Là, on est pas mal. Et ensuite, donc bien sûr, il faut le mettre dans des tartelettes. Donc les tartelettes, bon, il y en a que vous pouvez les faire vous-même et après, vous pouvez très bien en acheter, soit des grandes, soit des plus petites déjà faites. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Et l'idée, après, bah, soit vous mettez ben, directement ben, avec une cuillère ou après, vous pouvez l'incorporer justement avec une poche à douille. Voilà, maintenant, alors ça paraît très professionnel, mais ça s'achète maintenant, on le trouve dans le commerce facilement. Voilà. Et après, vous faites des petits dessins, voilà, avec, tout simplement, également. Donc voilà, après, voilà, vous faites des petits... Voilà, on fait des petits gris-gris par-dessus, comme des petits choux, des petites meringues pour que ça décore. Après, vous me direz, bah, oui, mais ça ne se voit pas trop si on met des fruits par-dessus. Oui, mais c'est pour s'amuser, pour mettre du fun. Voilà. Donc, les fruits, deux kiwis, une banane. Ça dépend de la taille des bananes, il y en a qui... ou des kiwis, voilà. Et encore une fois, là, c'est banane-kiwi parce que c'est la saison. C'est-à-dire, vous pouvez très bien le faire avec d'autres fruits. Hein. Voilà. C'est qu'il y en a qui n'a pas forcément la banane. Voilà, et après, vous faites des petites rondelles de banane, tout simplement. Voilà. Donc, à savoir que les kiwis, voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment un fruit de saison. Et il faut savoir que y a beaucoup de production en Europe. Voilà. L'été, c'est des produits qui viennent principalement de Nouvelle-Zélande. Et là, pendant l'hiver, ils viennent de chez nous. Voilà, de chez nous ou de l'étranger, on va dire. Mais c'est vrai que la France est un gros producteur et souvent, vous avez souvent aussi des kiwis de la Gourde. Hop. Même dans le sud-ouest, voilà, j'ai un oncle qui a des arbres à kiwis. Et puis maintenant, on va venir juste décorer par-dessus. Vous alternez, si vous faites un moitié kiwi, moitié banane. Ou... Voilà. Ça, c'est la décoration, hein. C'est la Valérie d'Amido de la cuisine un peu. Là, hop. Là, on est pas mal. Et voilà, vous avez une petite tarte de saison. Voilà, comme cela, avec bah, tout ce qu'il vous faut en vitamines et minéraux dedans, sain et gourmand, tout simplement. Très peu de sucre, que des bonnes choses. Voilà. Bon, mais là, je vais en avoir terminé avec les trois recettes. Le crumble de butternut, voilà. De toute façon, Karine, à la fin, va vous montrer ben, les fiches techniques. Voilà. Donc, 15 minutes au four à 180 degrés. Ensuite, vous allez avoir le gratin de courge et de chorizo. Voilà, vous mettez pendant 20 minutes à 180 degrés.
Et la tarte, que vous avez juste à manger maintenant. Enfin bon. Et voilà. Pas besoin de cuisson. Merci Florian pour ces chouettes recettes. Est-ce que toi, en tant que consommateur, tu peux nous raconter un petit peu comment tu as découvert et qu'est-ce que t'apporte cette base beauty sanée, en tout cas énergie diète que tu nous as présentée, cette farine intelligente? Alors moi, j'ai découvert cette gamme il y a maintenant un an par le biais d'un ami que je connaissais de longue date de Bordeaux. Oui, en fait, cette gamme, au début, j'apprenais un petit peu parce que, on ne l'a pas dit au début, je suis dans le monde de la restauration depuis maintenant plus de 15 ans. Je travaille dans la gastronomie, dans du traditionnel, tout en passant par le Club Med, voilà, des responsables de restauration. Maintenant, je suis dans la restauration collective, donc j'ai vraiment fait le tour des différents types de restauration. Et c'est vrai qu'au début, la poudre, j'appréhendais un petit peu, j'étais beaucoup sceptique. Et une fois qu'on m'a montré comment on le fait actuellement, qu'on pouvait cuisiner avec, ça, j'ai changé mon fusil d'épaule. Voilà, et puis maintenant, je prends clairement plaisir. J'espère que j'ai pu vous partager ça, je prends vraiment plaisir à cuisiner avec cette gamme. Et moi, au quotidien, ce que ça m'a apporté, c'est vrai qu'en restauration collective, on commence assez tôt le matin. Vous commencez à 7 heures, donc vous êtes vraiment vers 7 heures moins le quart, 7 heures moins 20 sur votre site, donc il faut se lever à 5 heures. Et c'est vrai que pour gagner un petit peu de temps de sommeil, je déjeunais pas, j'avais très peu d'énergie et je grignotais beaucoup sur mon lieu de travail et j'avais tout le temps faim en fait. Tout le temps faim, et après, une fois qu'on mangeait, on mangeait sur les buffets clients et je dévalisais le buffet client, c'est-à-dire que je prenais deux entrées, deux plats, deux desserts, un yaourt, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que l'après-midi, j'avais énormément de coups de barre. Et c'est vrai que du coup, mon métabolisme était complètement déréglé, moi qui adore faire le sport l'après-midi. Et c'est vrai que cette gamme m'a permis de faire un rééquilibrage alimentaire, d'avoir un petit déjeuner vraiment complet le matin, de pouvoir manger normalement le midi et l'après-midi, justement, ne plus avoir ces coups de barre, d'être beaucoup plus productif au travail et de pouvoir faire mon activité, ma deuxième activité sur le sport. Et cette gamme, sur le sport, m'a permis vraiment de m'apporter l'énergie supplémentaire et complémentaire que j'avais besoin pour le sport, parce que quand vous levez à 5 heures du matin, votre organisme il est forcément fatigué. Justement, ça a permis d'apporter toutes les vitamines et minéraux dont j'avais besoin, et notamment de continuer le soir, au lieu d'être KO technique comme à la boxe à 20 heures, de continuer ma journée, aller voir des amis, pouvoir cuisiner le soir, vous voyez, jusqu'à 22h30, 23h. Sans être fatigué. Voilà, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire qui m'a permis vraiment de profiter plus pleinement de ma journée entièrement et au travail d'être beaucoup plus productif, sur mon lieu de travail. Voilà. Merci beaucoup Florian, merci pour ton partage. Effectivement, on a reconnu le professionnel que tu es avec le vocabulaire adapté. Alors j'espère que tout le monde derrière l'écran a apprécié. En tout cas, merci pour ce partage intéressant avec des produits de saison, hein, le butternut, la courge, le kiwi, la banane. On a aujourd'hui des légumes de saison qu'il faut utiliser parce qu'ils sont riches de plein de bonnes choses dont on a besoin. Et là, tu nous as montré vraiment des recettes simples, efficaces. Donc le crumble, quelque part, comme le flan, on peut l'utiliser aussi avec d'autres types d'énergie diète. C'est ça l'avantage, hein, c'est que ces recettes, elles sont adaptables avec des saveurs salées variables. Il y a champignons, il y a thaï, il y a légumes, il y a poulet, comme tu nous l'as montré. En tout cas, je pense qu'on a tous les papilles au palais. C'est l'expression du jour que tu nous as concoctée, que j'adore. Je te remercie beaucoup pour ton énergie, le soleil que tu as apporté à tout le monde. Et puis, on va te souhaiter un excellent week-end. Et pour ceux et celles qui veulent continuer à suivre notre aventure de cuisine en cuisine, on se retrouvera samedi prochain avec Béatrice qui présentera notre cuisinière du jour. On sera dans l'Orne, le pays du calva, de la pomme, de la crème, mais aussi, pareil, de belles chouettes recettes avec Énergie Diète. Donc, c'est Anita Levallois qui nous animera l'atelier de la semaine prochaine. Excellente fin de journée. Merci Florian. Salut à tous et à très bientôt dans nos rendez-vous de cuisine en cuisine. Bye!